Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool ou Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un easter egg sur Blackout. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je te souhaite un bon visionnage. L'easter egg consiste à débloquer le pistolet laser Mark II dans Blackout. Alors pour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans la ville fantôme qui se trouve juste ici et plus précisément dans Buried, donc dans le cratère. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est de trouver un Tomahawk. Quand vous avez trouvé le Tomahawk, rendez-vous dans le saloon. Parce que au saloon, en fait, il y a une cible et vous allez devoir lancer le Tomahawk sur cette cible, mais à une certaine distance. La distance, c'est juste derrière cette petite ligne que vous voyez là, juste en bas de mes pieds. Donc là, vous prenez le Tomahawk, vous visez la cible en plein milieu, boum. Quand c'est fait, le piano va s'activer et vous aurez même une petite musique en plus. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre au bureau du shérif. Vous rentrez dans la maison et vous rentrez dans la cage. Il y aura un point d'interrogation sur le mur. Vous appuyez sur la touche action et là, vous débloquerez le pistolet laser Mark II. Alors faites attention parce que les munitions sont uniques. Quand vous avez usé toutes les munitions du pistolet laser, vous ne pouvez plus en récupérer. Et vous ne pouvez rien équiper à cette arme. Alors moi, j'ai testé l'arme. Je l'ai testé à longue distance, j'ai réussi à tuer un type qui était à longue distance, je sais pas s'il avait beaucoup de vie ou pas, mais en tous les cas je l'ai touché 2-3 fois et je l'ai tué. Donc à mon avis, à courte distance, il doit vraiment faire du sale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool ou Mike et ciao, peace. Yummy, bruh.